c'est l'adrénaline qui t'attire dans ce métier. Ouais. Bah, je me lève tous les matins et je suis heureux, quoi. Allez, caméra, ça tourne. Et action! Tu t'es fait mal toi, c'est ça? Je l'ai pris dans la tempe le dernier. En vrai, on a trop bien géré parce qu'avec la mousse là, ça tapait bien. Et juste la fin, il a tapé avec ça. Ouais. Et j'ai senti la rotation avec l'inertie. Ça fait bzzz dans ma tête. Mais sinon, ça va tranquille, j'ai pas pris de KO là. Je vais bien. Je vais bien. On est encore en vie, frérot. On culpabilise quand on a fait mal à son pote ou quoi? Ouais, un petit peu, parce qu'on se dit, ouais, j'aurais dû plus. Moins mettre d'énergie et plus maîtriser le coup. Mais des fois, c'est vrai que dans l'action, dans l'énergie, ça y va et là, ouais, ça peut toucher quoi. Moi, je travaillais dans un restaurant et j'aimais pas du tout ça. Et même les métiers prof de sport, j'ai fait quelques stages et tout, ça m'a pas plu du tout. Parce qu'au final, c'est juste tu apprends aux autres et il n'y a pas d'adrénaline, tout ça. Quand je suis venu ici, tout de suite, dans les deux premières semaines, ça y est, j'étais fou déjà du truc. J'ai pratiqué pas mal de tout ce qui est sport de combat en type de boxe, anglaise, thaï, française, même du MMA, j'ai fait beaucoup. Et du coup, ouais, c'est mon kiff. Pour donner un petit effet de poussière quand ça tape. Tous les formateurs, tous les coachs que j'ai pu croiser là toute la matinée, c'est que des professionnels, des cascadeurs professionnels. Pour transmettre un savoir-faire et pour former correctement nos élèves, il nous faut des professionnels. Donc oui, c'est des professionnels de la cascade. C'est pas grave, celle-là, elle passe très bien. Il faut savoir jouer la douleur, jouer la comédie dans le sens « Ah, j'ai mal et tout », des choses comme ça. C'est quoi les qualités qu'il faut pour être cascadeur? Polyvalent, sportif, acharné aussi, et travailler beaucoup sur ses faiblesses. Bah, on s'entraide tous, on se motive tous, et chacun voit les forces pareil, et les faiblesses des autres. C'est une déconnexion, ouais, ça j'aimerais bien le faire. Et pour les cascadeurs, ouais, il faut avoir une grosse déconnexion au niveau du cerveau si tu veux. Si je veux pas trop te faire mal quoi, et puis aller sans trop réfléchir. Coupe le vaucer. Tu connais ta chute. Ton corps va le faire très bien. Il y a eu des carafes comme ça là. Bien sûr. Bien sûr. Mes premières chutes de hauteur, je flippais. On flippait tous. Il n'y a pas une personne que je connais qui n'a pas flippé sur cette dernière. Et toi, le sentiment que tu auras en bas, il sera magique. Magique. Ah allez. C'est bon. Est-ce que t'es prêt? Ouais! 3, 2, 1, go! Ouais! 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 Trop bien! Ça me fait trop plaisir, comme je disais. Ouais. Je préfère largement un élève comme toi qui réussit à surmonter cette appréhension que, ouais, que quelqu'un qui est technique et je sais quoi qu'il arrive. Ouais, ouais. Toi, elle est purement irrationnelle ta peur et ça me fait trop plaisir de t'avoir. Bah, merci, toi. Plaisir partagé. Merci, mon gars. Trop cool. On a des élèves qui ont entre 17 et 30 ans. C'est une formation qui est dispensée par stage intensif et non pas sur toute une année classique. C'est une formation qui coûte 6000 euros pour les 2 ans et pour les 10 stages de formation. Après, il faudra quand même justifier une bonne condition physique et une pratique sportive régulière pour être sûr d'être capable de suivre le programme intensif sur le campus, quoi. Il y a beaucoup de travail en ce moment pour nos élèves. Il y en a qui sont sur des films comme John Wick 4, comme Fast and Furious 10, Le Gardien de la Galaxie 3, Ant-Man. Il faut croire en ses rêves et se donner les moyens d'y arriver. Ah,
Ha ha ha.